Putain, je filme avec mon téléphone, je vais me faire acquitter ma caméra. Les mecs, ils ont pris la carte SD, putain de bordel. Du coup, j'ai réussi à reprendre la caméra, partir en courant, bordel de merde. Avec Olivier à 2000%, j'avais fait des super vidéos sur le truc. Il a fallu que ça parte en live. Là, je me suis caché dans un espace. Putain, j'ai tout déballé là. La rue, c'est pas ça, franchement, des fois. Pris par surprise. Putain, les enculés. Heureusement, j'avais une carte mémoire en supplément, faut que je la retrouve. Bon, j'espère prendre un relais avec ma caméra. Ok, bon c'est bon, je vais déballer tout ça. J'ai trouvé, il y a une femme qui m'a laissé la porte de la résidence ouverte, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Espérons que je trouve un squat pour ce soir. C'est loin d'être gagné les enfants, franchement. Putain. Je n'ai aucune idée d'où je vais squatter ce soir. Anticipation totale. Espérons que ce soit une réussite. On va pénétrer dans la résidence, ça a l'air d'être un truc assez luxe. Donc du coup, on va attendre que la voiture passe quand même. Hop, se mettre là. Voilà. Passe en sous-sol. On y va. Ok, première étape passée. La porte. Il fait à peu près chaud. Je sais pas où elle mène. Ah bah c'est juste la cage d'escalier en fait. Ah putain. Voilà, on va dormir ce soir. Passe un petit message de ma cage d'escalier, ça doit légèrement résonner, mais bon, on va faire avec. J'aimerais vous parler de mon expérience en quelques mots. Je vais essayer de synthétiser pour faire bref et rapide, on va dire concis. En fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le sujet de la rue, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux dans les médias, dans les journaux, et certes c'est un sujet hyper sérieux puisque le problème est grave. Certaines personnes décèdent, certaines personnes n'ont rien à manger, certaines personnes subissent des violences. Mais ma vision de la rue est totalement opposée à la vision de la rue, comme vous pouvez le voir à travers mes vidéos, à la vision de la rue standard. Pourquoi? Parce que moi, je le prends au second degré tout ça. Et pourquoi je le prends au second degré? Parce que les SDF eux-mêmes prennent leur cas au second degré. C'est-à-dire qu'ils essayent de relativiser, ils se concentrent sur les moments de bonheur, sur l'optimisme, sur leur positivité, et ils oublient en fait toutes ces sources, pas complètement certes, mais ils essayent de faire abstraction de tout ça en se disant « peut-être qu'un jour, je pourrais y arriver ». Évidemment, pas pour tout le monde, mais en globalité, ça fonctionne comme ça, en tout cas par rapport aux dizaines et dizaines et dizaines de SDF que j'ai pu rencontrer. Et d'ailleurs, on a un exemple qui est tellement révélateur, c'est Didier, quand vous le voyez. Il est anticonformiste, il est anti-système, il fait en sorte de garder le sourire et la pêche. Et là, vous vous dites, ah ouais, finalement, la rue, c'est différent. Et c'est pour ça que je vous donne cette image aussi. C'est pas pour faire le farfelu, pour déconner, c'est juste que quand j'ai envie de déconner, je déconne. Parce que le sujet est sensible, certes, mais on peut rire de tout dans la vie. Et c'est important. Merci, la lumière. Et la preuve en est... Les SDF rient aussi de leur cas. On a pu voir Marcel, on a pu voir Didier,
Et ça, c'est important. Donc, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer avant d'aller dormir. Dormez bien, les petits. Bye bye. Salut, les amis. Bon, je vais devoir sortir de la résidence. Il y avait du monde en haut. Il pleut. Il pleut pas mal, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. On va essayer de trouver un coin à l'abri. Ok. On arrive à destination d'une église où je vais pouvoir mettre au chaud. Espérons que ce soit ouvert. Allez. La chance nous sourit ou pas en ce moment? Ah merde. Ok, on va contourner. Ah, mais c'était pas l'entrée principale en fait. Ah, voilà. Tout est parfait. Ah, ça doit être ouvert quand même, c'est pas possible. Une église fermée, j'hallucine quoi. Ah. Horaire de messe. Là, je vais vous tirer. Ah, il y a un monsieur. On va lui parler. Monsieur. Je me présente, je suis Vincent Macario, enchanté. Je fais un reportage en fait pour sensibiliser les gens à la cause des SDF. Donc je suis en train de faire le tour un peu des associations, des gens qui participent, etc. Et je me suis dit que j'allais faire un tour à l'église pour savoir si vous faisiez des actions, vous en interne, de temps en temps, des messes, des récoltes. Vous mettez en relation avec des associations pour aider les SDF. Est-ce que vous auriez une idée pour me répondre ou... Pour utiliser l'EDF? Non, pas pour utiliser l'EDF, pour aider les SDF. Ah, bon, rentrez. Bon, comme vous avez pu le constater, le monsieur avait un certain âge. Du coup, c'était un peu compliqué de discuter avec lui. Mais c'est pas grave. Putain, il a surchauffé le cierge, là. Je vais essayer de l'allumer. Je prie pour que ce monde se porte mieux, que la paix règne dans ce monde, que les inégalités s'atténuent et que l'humanité puisse partager ses richesses. Fais que cette aventure puisse ouvrir les yeux et les consciences. On sort de l'église. Je suis avec Didier. Il est là. Qu'est-ce que tu fais, Didier? De quoi? Tout ben. Même pour les gens qui se plaignent, tout ben. Hey, pas mal. La petite rime au passage, nickel. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait là? Je t'attends? Pars devant, je te rejoins. D'accord. Ok. Je pars très très loin alors. Ok? Allez, ça marche. T'as un miracle vient de se passer là. J'étais en train de faire la quête. La dame en bleu qui s'en va me dit: vous avez faim? Je dis: bah ouais. Elle me dit: je vous achète un truc. Je dis: ouais, une pizza. Elle me dit: bon, laissez tomber. Vous savez quoi? Tenez, 10 balles. Waouh, putain, c'est la première fois que je récolte un peu. Là, j'en ai au moins pour 2 jours, c'est cool. Franchement, c'est énorme. Alors, sans que ça fasse d'histoire outre mesure. D'accord. Parce que si tu dis des choses après qui vont t'interpréter différemment, alors qu'au départ, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Ouais, c'est sûr. À un moment, il faut essayer que les gens ils y mettent chacun de leur côté, quoi. Un peu du sien, tu veux dire? Du sien, voilà, dans la mesure où il faut mettre un peu d'eau dans son vin quand ça commence à prendre des proportions. D'accord. Bon raisonnement.
Donc là on parlait globalement de, du quotidien des SDF sur le long terme on va dire. C'était la question que je posais à Didier. Et surtout la participation des gens, finalement t'as clôturé comme ça. Ouais, c'est parce qu'après un moment, quand t'es à un moment confronté à essayer de trouver un squat, à un moment en fin de journée, faut essayer d'un minimum attirer l'attention pour que les gens ils voient pas ce que tu fais, parce que dans ces sociétés, ils sont tous là en train de regarder tout ce que tu fais, ces gens-là. Ouais, c'est ça, faut être après, le plus discret possible. Ils vont aller alerter, je sais pas quoi, ils vont essayer de faire des émulsions alors qu'il n'y a pas lieu d'être, quoi. D'accord, d'accord. Enfin, ils remuent la merde pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Bon Marcel, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton pied dans le... Ouais, je crois qu'il y a eu. C'est quoi les films? Ben regarde, je vais te filer 2 euros. Ouais, un peu. Ah, je peux pas parce que j'ai que ça en fait. C'est une dame qui me l'a donné ce matin. Ouais, j'ai acheté mes cigares. 50 centimes. 50 centimes, ben voilà, t'as 2 euros, tu peux en acheter un. Ouais, ben après 50 centimes, ça marcherait. Ah, demande, hein, tu testes, hein. Ouais, je t'attends, t'es là-bas avec lui. Bon, je voulais te demander un truc. Ouais, c'est quoi la question? Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire? Oh, ouais. J'y arrive pas, j'ai rien compris. Ah, t'as rien compris. Je suis dans un... Je suis cinglé un peu. Allez, un peu de bonne volonté, Marcel. Non, mais juste, sérieusement. Ouais, j'ai tué mes deux parents, c'était des grosses merdes. T'as tué tes deux parents? Ouais, ouais, c'était des grosses merdes. Ok, allez, bonne journée. Ouais. Non, non, mais c'est bon, finalement, je t'aime bien, mais... Ouais. Ouais. Ok, ça va. Et, non, mais sérieusement. Non, mais c'est la vérité, ça? Oh non, c'est pas. Ah, merci, non, ok. Je rigole. Tu me fais flipper. J'ai tué personne, donc. Ah, d'accord. Encore, ça va pas tarder. Ouais, je suis sur la liste d'attente. Moi aussi. Surtout le pognon. Ouais, le pognon. T'en as un peu? J'ai ça, moi, pour la journée. C'est une dame qui m'a donné, une infirmière. Ah, ouais. Passé. Parce que moi, j'ai toujours faim. Ça fait rire. Ah ouais, c'est bon. Moi, j'ai eu le pognon. À part ça, le reste, je m'en bats les couilles. C'est pas le plus important. Hein? Le pognon, c'est pas le plus important. Ouais, c'est les filles. Les filles. Ah, les filles, c'est le plus important. Mais les filles, elles veulent pas de moi. Pareil, je suis trop con. Ouais, comment tu fais pour... Tu sais quoi, je pense que la connerie, c'est une preuve d'intelligence. Ah ouais, mais c'est peut-être pour ça que je suis trop pété. T'es trop con, t'es vraiment... Monsieur, tu me donnes un cigare à 2 euros. Ah. Cigare à 2 euros. Non, bon, tu nous rejoins, je vais voir Didier. Allez, ça roule. Justement, et arrête de draguer, Marcel, on te connaît. Hein. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. T'as du feu, mon Didier? Emeline. 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 Moi, c'est Marcel Legrand. Enchanté, en termes de technique de séduction, c'est pas le top. Hein. Ouais, Rachel, le gros PD. Hein, je peux pas te dire. Faut plus dire gros PD. Non, faut pas le dire. Ah, faut pas le dire. Dans la vie, on n'est jamais trop PD. Dans la vie, on n'est jamais trop PD. J'ai arrêté de fumer. Ah, oui, j'ai bougé. C'est 2018. Arrêtez, nouvelle résolution, on arrête de fumer. Direction l'hôpital. Je suis avec mon monteur ici. Donc malheureusement, on va pas pouvoir continuer cet épisode. Voilà, je fais une petite parenthèse. Sortez-moi de la rue, c'était bien, mais ça a eu ses limites, malheureusement.